Aujourd'hui, je vais vous présenter un circuit très intéressant et très pratique. Il s'agit d'une serrure à clavier à touches sensibles. Donc, ici, comme vous pouvez le voir dans notre prototype ici, il suffit d'appuyer ou de saisir le bon code et notre serrure est excitée. C'est-à-dire que le bon code, ça est constitué de quatre chiffres et il suffit d'effleurer uniquement ces touches-là pour que notre système fonctionne. Alors, donc, le principe est assez simple. Donc, quand on touche ou quand on effleure une touche tactile, automatiquement, il y a une pulsion qui va être envoyée vers les trois transistors. Ces transistors-là vont amplifier le signal. Et puis, il y a un déclenchement d'un relais. Ici, bien sûr, il y a cinq relais. Il y a quatre relais qui correspondent au code et un relais pour la remise à zéro. Donc, chaque relais est relié à l'autre. C'est-à-dire que le 2 dépend du fonctionnement du premier et le troisième dépend du fonctionnement du deuxième et le quatrième du troisième. Donc, ils sont en série. Bien sûr qu'il faut, bien sûr, pour chaque fois toucher, bien sûr, ou effleurer le bon code. Cet appareil-là est très utile pour les non-voyants et aussi pour les habitants, généralement qui oublient les clés dans la maison, ou parfois les clés sont assez lourdes. Notre système n'utilise pas de bouton poussoir et automatiquement, on évite le problème d'usure et la pénétration de la poussière à l'intérieur du mécanisme des boutons poussoirs. Aussi, cet appareil-là peut être placé à l'extérieur parce qu'il y a problème à l'extérieur, donc il n'y a pas de problème de poussière. Elle peut être aussi placé à l'extérieur, que ce soit au niveau de l'entrée principale ou si vous avez une autre entrée au niveau du jardin. Bien sûr, ici nous avons trois LED. Nous avons la LED rouge, c'est position stand-by. La LED verte qui indique que le bon code a été saisi. Et la lampe jaune, c'est une LED qui nous indique qu'il y a présence de tension à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir au niveau de notre écran le test. Comment le système réellement fonctionne et comment on saisit le code et comment notre serrure répond. Et puis nous avons la lampe, nous avons la LED de rouge, la LED de verte et la LED jaune d'alimentation. Donc la LED rouge, c'est le stand-by. La LED verte, c'est justement pour indiquer que notre serrure est actionnée. Bien sûr, nous avons aussi la serrure, ça c'est pour des raisons expérimentales uniquement. Ah, donc, dans la figure numéro 1, comme on peut le voir ici, nous avons les quatre détections. Et détection 1, 2, 3 et 4. Donc, elles sont directement liées aux deux plaques. Deux plaques qui sont, si vous voulez, touchées par le doigt. Si bien sûr le doigt touche les deux plaques, c'est-à-dire il va les court-circuiter, donc une impulsion va se dégager et il va justement déclencher le relais numéro 1. Donc, le relais numéro 1 va alimenter le circuit numéro 2 ou la détection numéro 2 qui va bien sûr actionner le relais 2. Le relais 2 qui va alimenter le relais 3 et le relais 3 va bien sûr alimenter le circuit numéro 4, c'est-à-dire le relais numéro 4. Il nous reste bien sûr le relais numéro 5, il est fait uniquement pour justement actionner notre alimentation, c'est-à-dire quand on touche les deux plaques, c'est-à-dire que l'alimentation elle est coupée, c'est-à-dire c'est la remise à zéro de tout le système. Bien sûr, la détection numéro 4, elle actionne notre serrure et elle va actionner aussi notre étage de sonorisation.
Et si, comme vous pouvez le voir ici, c'est le schéma électrique de notre système. Donc nous avons quatre étages, donc détection 1, détection 2, détection 3 et détection 4. Et bien sûr, nous avons la remise à zéro qui est le cinquième relais. Alors si on va expliquer le premier étage, c'est le premier étage est constitué essentiellement de trois transistors et puis avec un relais. Donc quand il y a quand les deux plaques sont court-circuitées par le doigt, donc une petite impulsion est envoyée à la base du transistor 1 qui va bien sûr piloter les deux autres transistors montés en Darlington et ces trois transistors ou le dernier transistor va justement actionner ou exciter le relais. Et donc ce relais-là qui va justement alimenter la deuxième détection et la deuxième détection va alimenter la troisième détection et la troisième détection va alimenter la quatrième détection. Tout ça, bien sûr, si on touche au toucher tactile, bien sûr. Alors, comme vous pouvez voir aussi, le cinquième étage, c'est la remise à zéro. C'est comme le premier, donc il y a trois transistors, puis avec un relais. Donc, vous pouvez voir que la sortie ou la puissance du relais, elle met en tension tout le circuit ou elle coupe la tension. Nous avons aussi notre montage de sonorisation, constitué essentiellement d'un transistor BC545 et d'un monostable NS555 qui va exciter bien sûr notre transistor BC545, bien sûr, qui va bien sûr piloter le bizarre. Donc nous avons les deux diodes, nous avons là où les deux LED, la LED verte, la LED rouge, LED verte qui indique que la série est excitée et la LED rouge va justement nous indiquer que le circuit est prêt à recevoir le code. Donc nous avons ici le code, il est par ordre. Donc il faut, comme vous pouvez le voir sur le schéma, il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Donc il faut un ordre. Si on touche à la détection numéro 2, notre circuit ne va pas marcher ou la serrure n'est pas excitée car tout simplement la tension est coupée par le relais numéro 1. Bien sûr, ici, bien sûr, pour que le circuit de sonorisation fonctionne, il faut qu'il y ait une impulsion positive issue du relais numéro 4. Il va donner une impulsion qui va attaquer la base de notre BC547. Le système est mis en place, donc tous les étages qu'on a déjà expliqués sur le schéma. Donc nous avons le premier relais avec ces trois transistors, deuxième relais avec les trois transistors, le quatrième relais, Le les trois 12. transistors, le quatrième relais et le cinquième relais avec ces transistors. Bien sûr, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième relais, c'est des relais de détection, c'est-à-dire si on touche bien sûr un de ces fils-là, donc il va y avoir le contact, le relais est excité. Et donc il faut bien sûr suivre l'ordre chronologique. Donc il faut d'abord toucher le fil, ce premier fil-là. Puis le deuxième, ce deuxième fil là, puis le troisième fil ici, et puis le quatrième fil. Donc si on touche les trois fils, ce relais là va justement exciter la serrure. Bien sûr, ce relais là, il est fait uniquement pour justement la remise à zéro quand on touche les fils. Ou quand on touche les touches qui ne sont pas réellement, qui font pas partie du code. Parce qu'ici, il y a un code de quatre chiffres. Si on touche le cinquième, bien sûr, hormis le code là, le système se met à zéro. Bien sûr, nous avons ajouté un autre circuit, ces circuits-là. Qu'on a ajouté et on va bien sûr le fixer ici. Donc ce montage, cet étage là, c'est justement quand on appuie ou on touche le dernier
on touche la dernière touche, si vous voulez, du code. Donc, le buzzer-là va retentir et la lampe, la LED verte ici va s'allumer ici. Donc, va s'allumer. Cette LED-là va s'allumer. Donc, ici, celle-là va s'allumer. Mais si le système est en attente, nous avons cette LED rouge qui est allumée. Donc, en gros, on touche la première touche, deuxième touche, troisième touche, par ordre chronologique, bien sûr. 1, 2, 3 et 4. Ce relais-là, quand il est excité, ce système se met en marche. Nous avons un buzzer qui va retentir et nous avons la LED verte qui va s'allumer. Cette LED qui va s'allumer. Si par hasard on touche ce fil-là, ou si vous voulez, la touche numéro 2, donc ça ne va pas marcher. Puisqu'il faut qu'un ordre chronologique, il faut d'abord appuyer sur la touche, cette touche-là, puis cette touche-là, cette touche-là et cette touche-là. Si on touche celle-ci, le système ne fonctionne pas. Si on touche la cinquième ou la sixième touche, bien sûr qu'il ne faut pas partir du code, donc le système ne va pas fonctionner. Ici, bien sûr, on voit la réalisation, bien sûr, la partie réalisation. On voit la partie de la signalisation sonore et puis le circuit lui-même constitué de relais, etc. Ici, donc, on va voir ici l'emplacement de notre système dans le coffret, bien sûr. Et ici, la partie apparente, si vous voulez, la façade ou la face de notre serrure à touche. Donc, on va. Et si vous expliquez un petit peu comment on a conçu cette touche tactile, nous avons ici, vous voyez qu'il y a neuf ici, hein, neuf. Donc, nous avons d'abord une rondelle fixée, bien sûr, à cette plaque. Puis, il y a le boulon là, qui est un élément central, bien sûr, qui ne touche pas, bien sûr, la rondelle, est fixé sur la deuxième plaque ici. Donc, nous avons ici ce boulon-là, bien sûr, on a fixé les fils directement à la base du transistor, bien sûr. Et puis, on les a fixés ici avec une colle forte ici, et nous avons obtenu les neuf touches qui sont fixées. Bien. Donc, on va vous présenter maintenant notre système déjà fini. Donc, on va vous présenter la démonstration. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, notre système est uniquement basé que sur des touches tactiles uniquement. Donc, nous avons du 1, du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ce sont uniquement des touches tactiles. Nous avons ici, quand le système est en marche, donc la lampe LED rouge s'allume, quand la lampe verte s'allume et la LED rouge s'éteint, c'est que notre serrure est en marche. Cette LED-là, c'est uniquement pour indiquer l'alimentation. Donc, ces éléments-là, c'est des éléments uniquement de décor. Bien, nous avons aussi notre serrure pour faciliter un petit peu la démonstration. Donc le système est sous tension, donc voici le fil d'alimentation. Ça, c'est les fils de sortie qui vont justement faire fonctionner cette serrure. Donc nous avons un code qu'on va bien sûr saisir et puis le système va fonctionner. Je vais faire donc ici. Donc, nous avons d'abord le 4 qui est une initialisation. Le vrai code, c'est le 1, le 8,
le 3 et le 6. Vous pouvez voir que c'est le système de sonnerie fonctionne, c'est indiquant que notre serrure marche très bien. Donc on va refaire notre test et on va voir. Donc on va appuyer sur le 4, le 1, le 8, le 3 et le 6. Bien, maintenant si on va saisir un autre code différent de celui qu'on a. Alors donc si on appuie bien sûr sur le premier des 4, au lieu du 1 on appuie sur le 2 et le 3, le 6, le 8, ça fonctionne pas. Si on appuie sur le 5, le 2, le 1, le 3, le 6, le 9, ça marche pas. Maintenant si on va encore saisir notre vrai code, c'est le 4, le 1, le 8, le 3 et le 6. Donc, uniquement ces deux touches. On va revoir. Le 1, le 8, le 3, le 6. Et ici. Voyez ici que notre système se déclencher. Donc vous pouvez le voir ici, c'est uniquement des touches, vous voyez. C'est conçu à partir de rondelles ici et des boulons à l'intérieur. Bien sûr, les rondelles ne touchent pas le fond parce que il y a bien sûr le retour. Donc si on touche ici, c'est qu'on va faire les coups de circuit entre les deux. D'accord? Donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments que j'ai ajoutés pour le décor uniquement. Donc, ici, c'est, vous voyez, donc, contre la lampe, ici, quand on va saisir le code, c'est ici en rouge, c'est-à-dire que l'appareil attend la saisie du code tactile. Donc, ici, les 4, le 1, le 8, le 3 et le 6. Regardez là, cette lampe LED va s'allumer et elle va s'éteindre. Et puis, le rouge va s'allumer une deuxième fois, indiquant que notre appareil attend bien sûr la saisie des codes. On va ouvrir notre système, comme vous pouvez ici le voir, toujours la lampe. Donc on va débrancher l'alimentation, on va la débrancher. Et donc vous le voir ici, c'est le fil de sortie pour attaquer la serrure ici. On va ouvrir notre coffret. Comme vous pouvez le voir ici, donc il y a notre système. Ici, il y a bien sûr les boulons que j'ai fixés ici, bien sûr, les boulons. Et puis chaque fil va se diriger vers ce domino-là. Donc on va fixer tous ces fils-là, le bleu, le rouge, le blanc, le noir, qui sont fixés au code. Voici le code 1, 3, 4. Et le 8. Donc on va et puis les autres c'est justement pour mettre à zéro le système. Donc si on appuie par exemple ici sur le 5 va remettre à zéro le comptage. Alors ici comme vous pouvez le voir ici, nous avons, comme c'est déjà montré auparavant, on va résumer. Ici, nous avons notre 5 relais, avec bien sûr, chaque relais est attaqué par 3 transistors. Donc, nous avons ces 5 relais, et chaque relais représente, si vous voulez, un étage. Nous avons ici les 3 transistors pour chaque relais. Les 3 transistors pour chaque relais. Et puis, nous avons ce relais qui est un peu particulier, qui est lié aux touches tactiles qui remettent à zéro le comptage. C'est-à-dire, quand on veut compter, quand on veut saisir le code, et on n'est pas dans, si vous voulez, nous n'avons pas saisi le bon code, ce relais-là, quand une touche qui ne fait pas partie du code, va remettre à zéro le comptage. Alors, donc, ici, nous avons ce relais. Ce relais-là est justement, comme vous pouvez voir, ces fils bleus-là, et donc ils sont fixés à la serrure.
Nous avons aussi ce petit étage-là qui est justement, il nous donne la sonnerie. Hein. La sonnerie, voici le biseur. Nous avons le N555. Et bien sûr, c'est ce relais-là qui fait fonctionner cette partie-là une fois que le bon code ou le bon code est saisi. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons aussi les deux LED-là, LED vert et rouge, et cette LED-là qui est LED d'alimentation. Donc, en gros, donc, nous avons principalement deux étages, les étages là où il y a les relais, et l'étage de la sonnerie, bien sûr. Donc, ce relais-là, c'est lui qui va faire fonctionner la serrure. Et ce relais-là, c'est la remise à zéro de notre système.